Nous voici à l'extrême sud, Saïgon ou Ho Chi Minh Ville. Le marché de Chelon est surnommé le ventre de Saïgon. Ce marché a été créé en 1778. 100 ans plus tard, une colonie de Chinois, les Hoa, chassés par une invasion, s'y installe. Ils sont actuellement environ 500 000. Les Chinois ont toujours hérité d'un sens aigu du commerce. La nourriture abonde, exposée à même le trottoir ou sur des tables branle-ballantes. On y fait même la sieste. D'une cuisine parviennent des odeurs de vermicelle et de poisson frit. On achète et on vend tout, depuis des dollars américains au marché noir, jusqu'aux chaînes hi-fi, ustensiles ou vêtements venant de Singapour ou Hong Kong. Monde infatigable, toujours en mouvement. De Wan Metot, par la route, nous gagnons les hauts plateaux de l'ouest voisins du Laos. Sur ces plateaux vivent plusieurs ethnies, les Hédé, les Cham, environ 500 000. Sur les plateaux du lac Dak, d'origine malaiso-polynésienne, ils ont construit leur village. Comme les Hmong, ils sont souvent appelés Moy, c'est-à-dire sauvages, par les Vietnamiens. Chaque maison prend la forme d'une longue barque sans charpente apparente et qui peut mesurer jusqu'à 100 mètres de long. Les aidés vivent groupés en communautés. Chaque maison abrite une grande famille matrilinéaire. Comme chez les Dayaks de Bornéo, ces maisons, sur pilotis, permettent aux animaux domestiques de trouver un abri. Ils pratiquent la culture sur brûlis, aussi l'élevage et la production de café. Lors d'une réception, les habitants viennent boire 2 mesures de bière de riz, obtenue à partir de moût fermenté, à l'aide d'un tuyau. Cet événement est toujours accompagné de musique, flûte, gong ou orgue à bouche.
Nous continuons, non sans difficulté, notre périple autour des plateaux du lac Dak. Un taxi communal. La route est difficile, car la veille il a plu. La saison de la mousson approche. Les maisons ne sont pas toujours sur pilotis. Elles groupent toujours plusieurs familles de la tribu des Hmong. Les familles sont aussi matrilinéaires. Le côté maternel est toujours prioritaire. Les enfants suivent le clan de la mère. Les maisons sont construites en bambou, parfois en teck. Le toit en roseau ou en paille est changé tous les ans. Les routes difficiles obligent souvent à l'autosubsistance. Nous avons vu ici un élevage dit fermier. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'école est payante. La seule langue est ici le vietnamien. Français ou langues régionales sont proscrites. Un peu de tissage. Cette région, autour du lac, est constitué de roches volcaniques et de rizières. Pas de bateau à moteur, de simples pirogues, agréables sinon peu confortables pour notre anatomie européenne. Il existe une pêche très ancestrale. N'oublions pas qu'après le riz, le poisson est la plus importante consommation du pays. Nous voici sur le marché de Buôn Ma Thuột. Les marchés au Vietnam sont toujours l'occasion de rencontres inopinées et sympathiques. Nous nous dirigeons maintenant sur les hauts plateaux du centre et du nord. Les régions sont habitées par les Dao, les Thaï et les Méo. Les Hmong existent aussi, ils sont près d'un million, ils sont majoritaires. L'eau est une denrée précieuse, elle est recueillie avec soin, de façon ingénieuse. Le grain est passé dans un petit moulin, puis il sera trié. Le grenier fait partie de la maison, dont la surface est plus modeste, car la famille est plus réduite et surtout patrilinéaire. Les maisons sont souvent construites à même le sol. Certaines, cependant, sont encore sur pilotis. La culture du riz paddy peut se pratiquer dans les espaces élevés après culture sur brûlis, feu et contre-feu. Cependant,
la culture en rizière dans les vallées ou dans des endroits moins escarpés est plus rentable. Deux récoltes par an, un hectare donne 6 tonnes de riz. On cultive aussi des céréales et des arbres fruitiers. Les Dao appartiennent au groupe voisin des Hmong. Ils y vivent aussi sur les hauts plateaux, en complète autarcie. Le bord de la route peut servir à la fois d'abattoir ou de forge. Le buffle est essentiel dans l'exploitation des rizières. Dès leur plus jeune âge, les filles portent de grandes boucles d'oreilles en argent. Les vêtements des garçons, aussi de couleur bleue, sont plus sobres. Les femmes travaillent à la fabrication des tissus, mais étant donné l'isolement et la distance, ils ne seront guère proposés aux touristes. Les villages sont moins groupés et les maisons de dimensions plus réduites. Elles sont parsemées le long de la colline. Dans la vallée, les rizières. Après une nuit passée en train, nous suivons le fleuve rouge, longeant la chaîne anamitique dont le sommet, le massif cristallin du Phan Xipan, culmine à plus de 3000 mètres. La voie maintenant unique se dédouble. Nous voici à quelques kilomètres de la frontière chinoise. Semi-nomades, dans cette région, Zhao et Hmong, qui sont aussi présents en Chine, vivent à toute altitude. Les femmes portent toujours des boucles d'argent, mais le traditionnel turban rouge est là de rigueur. Le village est groupé autour de lignées d'importance différentes, composées de familles patrilinéaires, où la place de l'homme est quelquefois polygame, mais est prépondérante. L'eau est toujours aussi précieuse, mais ici, elle est en plus utilisée pour faire fonctionner le pilon à grains. Même dans les endroits douaniers, une affiche prévention sida. Beaucoup de villages traversés dans le voyage. À l'heure actuelle, la collectivisation de l'agriculture atteint une infime minorité d'exploitations. Les agriculteurs cultivent ou élèvent pour eux-mêmes et vendent l'essentiel de leur production sur les marchés, soit par paiement en dong, soit par un simple troc. Voilà, là, il nous faut, voilà, là.
Un village méo, ethnie que le gouvernement vietnamien avait essayé de sédentariser. Les Thaïs habitent à flanc de coteau sur des maisons à pilotis qui les protègent des animaux et des brusques montées des eaux. Dans ces vallées, Thaïs blancs ou Thaïs noirs pratiquent une riziculture classique. Une partie des Méo vit le plus souvent à partir de 1000 mètres d'altitude. Ils sont spécialisés dans la production du thé. Nous voici à Sapa, la fin de notre périple du sud au nord du Vietnam. C'est samedi, jour de marché, et paraît-il celui des amoureux, qui se donnent rendez-vous sur le parvis pour le soir. Sapa reste la rencontre de toutes les ethnies du Nord. Les Hmongs y sont les plus nombreux. Ils viennent vendre ou acheter. Il leur faut survivre. En regardant leur visage, il semble qu'ils ne se soient pas laissés atteindre par le flot touristique, ni surtout par tous les moments de l'histoire que le Vietnam a vécu.